sinon je peux pas voir pour les humains. Je vois pas de... Il me remarque pas en fait. Ah non. Carte d'accès de l'hôtel. Oh, c'est... Ah bah oui, du coup, ça me permet de fouiller les coffres. Griffe. Maquette de vaisseau spatial. Mmh. Carte de l'hôtel nécessaire. Bah... Ah, c'est un usage unique! Oh. Armure anti-émeute, fusil à cadencier. C'était un usage unique? Est-ce que t'en as plusieurs? Oh non. Est-ce qu'il y a plusieurs employés? C'est pas top discrétion ça quand même. What the... Ouais. Go on, before I change my mind. Bon allez, un crochetage sur le côté, c'est pas ça. Ils ont rien. Ok, c'est une carte d'accès à usage unique. Ah, c'est con ça. Peut-être avoir repop au bout d'un moment. Ah, ça part pop par contre les trucs de crochetage. Bon, on va faire une autre planète. Journal, je suis arrivé. Phineas, c'est rapide. C'est quoi la quête de Phineas? Celle-là. Ah bah oui, c'est le fameux mec qui nous a réveillé. On peut pas faire des portes automatiques. Ouais, de toute façon, je vais lui acheter. Est-ce que tu penses que je peux atterrir et m'occuper de tout le monde? Ouais, non, je vais faire différent de toi. Mais ça fait chier de dépenser 10 000, quoi. Ouais, je peux repartir et acheter la clé, quoi. Mais ils sont déjà tous énervés. Il y a une réputation sur Monarque aussi, j'imagine. Bon, en vrai, c'est pas trop l'objectif de mon personnage.
trop énervé le bot. Ah bah oui, je suis con, c'est écrit là. Monarch Stellar Industry. Bon, ouais, je vais faire ça. Je vais aller voir mon sauveur et enfin prétendu. Welcome aboard, Captain. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh damn it, blast, that's loud. Il est toujours aussi vieux, visiblement. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess, sir. I haven't had a visitor since... In fact, I've never had a visitor. Tu peux pas analyser que c'est moi qui arrive? J'ai écrasé quelqu'un en atterrissant en plus. Et j'ai récupéré son vaisseau. Parler? Je peux lui parler? Il est où le truc que je dois récupérer? Oh, ok. Scellé. Ah, scellé carrément, c'est... J'ai même pas envie de ramasser ça. Oui, j'ai remarqué. 23,7%. Ah, c'est précis. Associé. Ah, j'ai oublié un truc. Ah non, ça se ramasse pas. Bon, bah voilà. Et après, t'es allé sur Monarch directement. I did not expect you back so soon, Captain. D'accord.
Bah, en même temps, c'était court. Monarque. Message from Dr. Wells. We'd like to congratulate you on finding a route to Monarch. T'as oublié de continuer la quête? Laquelle? Bah, la dernière pièce est sur une planète que je n'ai pas encore faite. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Kulkelly. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we... Oui, 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 oui. Captain, an unusual... The Eternal is in us all. The OSI would have you believe... A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night. This fate, when he died... That was... Oui. I am inclined to agree with your assessment, by which I mean... How can... I'll be here. T'as oublié de continuer la quête des... Bah... Ah ouais, d'accord, ok. Tu veux que je le mette dans le... là-dedans? Non. Journal. J'ai plus de quête. Non, l'arme scientifique, machin, machin. Chercher des indices. Reprends les armes. Les deux, là. Ouais. Ah. Oh. Comment c'est écrit? Parcourir l'archive de la compagnie minière nana sur le terminal d'Othorn. C'est l'ancien capitaine qui s'appelle comme ça? Ah bah ouais, bah j'ai oublié son nom, hein. Ah, oh, c'est juste pour donner la position de la suivante. Mais c'est pas sur mon arc. Ah, ça m'a mis 2 cas du coup. Acheter une clé, ok. Elle a l'air danger, mais ça fait... Bon, on va voir ce que ça donne du coup. La version sans dépenser. Good luck.
Parce que j'ai beaucoup à parcourir. Tu es plus haut level que... ouais. Ah c'est à la base, c'est... oui. Oh la vache, ça coûte une blinde. Est-ce qu'on voit où j'en... combien j'en ai? C'est le moment. Mais je commence à en avoir pas mal, je pense. 108. Ouais. Tout bordel, toi. Ah! Bien. Ah! C'est marrant. Je l'ai essayé. Alors, didacticiel des défauts. Au cours de vos aventures, votre personnage est susceptible de vivre des choses qui déclenchent une proportion de défauts. Rien ne vous oblige à accepter le défaut, mais si vous le faites, vous obtenez un avantage. Vous êtes trop souvent retrouvé nez à nez avec, et vous perdez désormais vos moyens quand ils vous attaquent. Vous et vos compagnons. Dextérité moins 1, perspicacité moins 1, tempérament moins 1. Quoi? Bah il est nul. C'est énorme les désavantages. Perspicacité, c'est ça qui me fait... Je sais pas ce que ça vaut tempérament, perspicacité... Parce que c'était standard bonus, 0 bonus dégâts. Oh, c'est con. Je viens de prendre l'avantage inversé. Plus de dégâts à la tête et perspicacité, ça a diminué augmenté les dégâts à la tête. Bon. Et tempérament?
Régénération de santé. Mais c'est con, on perd 3 points. Et dextérité. Il peut tout lire. Ok. Ouais. T'es peut-être sur un temps donné le nombre qui te... Ouais, peut-être. Bon, du coup, cette fois-ci, je vais prendre une arme un peu plus forte pour les attaquer. Ce serait peut-être un peu plus intelligent. Je vais voir ce que ça donne avec un petit pistolet, déjà. Je vais mettre 3 ans à visiter cette ville. Beaucoup de balles. Je pensais que c'était une denrée rare, les balles dans ce jeu. Par rapport aux jeux du même type, généralement. Tu vas faire super gaffe à ce que tu dépenses. Ok. Waouh! Sérieux? Quoi, 62 seulement? Oh la vache. Allez, balancez tout déjà. Passe pas devant. Merde! Change. Non, l'autre arme. Saloperie. Il prend la pause alors qu'il est en train de cramer le machin. Ok. Bon. Moi qui voulais dépenser des balles, je crois que c'est fait. Mais la mitraillette, elle dépense beaucoup trop vite par contre. Non, il est mort, ok. Quand même. Ah! Ah, j'ai pas les compétences pour l'ouvrir! Ah bah dis! Alors je mets tous mes points là-dedans. Putain, c'est le genre de truc qu'il faut revenir 3 ans plus tard hein, pour.
suis vraiment censé traverser à ce niveau-là. T'as peut-être des armures équipées qui... il me manque combien? Il me faudrait 15. Ah ouais, c'est peut-être tentable. Est-ce que j'en ai? Ouais, il me plus qu'une. Les technologies, c'est pas ce qu'il me faut. C'est la furtivité. Il y en a déjà une qui me donne, visiblement. Il faudrait que j'enlève le truc de persuasion après, c'est pas pratique quand je serai monté au maximum. Ouais, à moins qu'il y a... Non, que plus 5. S'il manquait 5, j'aurais pu. Bon bah, de toute façon, j'ai oublié de revenir. Casque et armure. Bah oui, mais j'ai pas ce qu'il faut pour... Ouais, beaucoup de choses qui sont fermées finalement. Ma porte d'entrée était à côté. Alors, s'il y en avait une. Ah! Ok. Je me bloque pas tout seul pour une caisse. Ah non. Barricadé, ok. C'est vrai qu'il n'y a pas de grenade. Ah si, il y a un lance-grenade, mais... Ah, ce truc. Tu peux assommer des mouches? Allez, prenez votre temps. Ah oui, c'est bloqué. Non, bah ça va là. Armure anti-émeute. Ça donne pas de crochetage, hein, l'armure anti-émeute. Si. Ah, il me faut encore 10 points, quoi. Est-ce qu'on voit... J'ai une arme qui est abîmée ? Ça va. Est-ce qu'on voit son niveau ni par rapport au niveau ? Oui, cette phrase est bizarre. Expect, c'est ça. Oui, bon, je pense que je vois. Attends, je venais d'où là? D'ici. Close Z. Close Z. Mais tout est fermé. Ah, celui-là est ouvert. Si je vois de travers.
coup des pots de vin. Ouais, d'accord. Je sais même pas qu'on pouvait payer des pots de vin. Merci pour le follow. Ouh. The HGV mécanique. Ouzi. Anti-émeute. Arme longue. Ouais, je pense que c'est à me souvenir qu'il y avait un truc à 90 ici. Je suis pas obligé de les tuer. Bon, bah on va continuer. Et puis que la porte qui trône.